Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une box qui n'est pas vraiment une box. En fait, si vous voulez, j'ai voulu tester tout ce qui est gamme de thé. Et bah on connaît la thé box, tout ça. Enfin, j'ai déjà vu des vidéos, mais je me dis je veux pas la tester pour le moment. J'avais envie de tester la marque Color of Tea. Voilà, en fait, c'est un petit truc comme ça qu'on reçoit. Oh, vous voyez, hein, c'est vraiment tout fin. Et du coup, bah, j'avais envie de tester. Donc moi, j'ai payé 9,99€ parce qu'en fait, si vous voulez, il y a plusieurs... comment dire ? Il y a plusieurs sortes de coffrets. Donc, je suis avec la tablette. Hein. Il y a le coffret découverte. Donc en fait, c'est ce que j'ai pris. C'est... vous choisissez tous les mois 4 sachets de thé ou de tisane de 10 grammes. Voilà. Ou alors vous avez le coffret amateur qui, pareil, avec 4 sachets de thé ou de tisane, mais cette fois-ci de 25 grammes. Vous pouvez aussi, si vous voulez, offrir ce petit coffret. Et c'est pareil, les abonnements. Moi, je prends toujours du mensuel, je prends pas des... J'aime pas trop prendre des offres de 3 mois ou voire 6 mois, parce que si j'aime pas, ça veut dire que vous êtes quand même sous engagement, donc ça m'embête un peu de payer la totalité, donc ça fait plus de 30€ d'un coup comme ça à lâcher, alors que si ça vous plaît pas, c'est pas terrible. Donc moi j'ai pris mensuel à 9,99€. Je vous explique tous les mois, donc comme je vous l'ai dit, vous faites votre sélection, vous pouvez choisir d'été ou des tisanes au choix. Il y a vraiment plein de sortes, on a envie d'en tester quand même beaucoup, mais on ne peut pas, il n'y en a que 4 malheureusement. Donc aussi, ce que je voulais dire, c'est que à partir du premier de chaque mois, vous pouvez commencer à sélectionner votre vos thés et vos tisanes. De toute façon, tout est expliqué en général sur le site. Bon, bah, faut fouiller un petit peu, mais bon, au moins là, je me dis que au 1er février, je vais pouvoir choisir mes thés et mes tisanes pour ce mois-ci. Sur le site aussi, donc quand vous vous inscrivez, vous pouvez avoir dans la gamme mon profil de dégustation, mettre le thé que vous préférez ou tisane. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y a le thé vert, le thé noir, le oolong, le thé blanc, le rooibos, pardon. Désolé aussi pour le téléphone, ça vibre. Et tisane. Donc vous voyez, il y a quand même, je sais même pas si on peut vraiment voir, pas mal de sortes en fait. Et en dessous, du coup, c'est pareil, on peut voir si c'est nature, parfumé, pour chaque sorte de thé. Et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment pas mal de choses. Vous pouvez aussi cocher ce que vous préférez. Donc moi, j'ai quasiment tout coché, sauf ce que je n'aimais pas et les allergies. Donc par exemple, dans les graines de l'amande et dans les épices de l'anis que je déteste. Les agrumes, j'ai tout coché. Les baies, les fruits rouges, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. C'est incroyable. Et du coup... si vous n'avez pas le temps de choisir ou que vous voulez que les personnes qui s'occupent de ça, donc c'est Cécile et Magali, donc ce sont les fondatrices, elles peuvent choisir pour vous, grâce à votre profil de dégustation, les thés ou les tisanes que vous pouvez aimer. Donc là, j'ai le petit flyer déjà pour commencer. Donc ils disent en tant que bienvenue, du coup vous avez en cadeau une chaussette à thé. Je trouve ça franchement excellent. Une chaussette à thé. Et en fait là il y a le crochet. C'est pas mal. Alors après, je ne sais pas si c'est réutilisable, mais elle a l'air quand même vachement grande. Hein. Je vais regarder. Ah ouais, dis donc. C'est pas mal du tout, hein. Bon, après, moi, j'en ai pas forcément l'utilité parce que j'ai déjà deux théières. Donc, après, ça peut être sympa. Mais je sais pas si c'est... Est-ce qu'on peut la réutiliser? C'est pour mettre dans les verres, en fait. Dans les verres à thé. C'est pas pour les... C'est pas pour les théières comme ça. Pas forcément.
Elle fait 7 cm de diamètre. Donc avant l'usage, il faut laver le filtre à l'eau chaude. Donc ça se trouve, ça peut être utilisable plusieurs fois. Donc ça peut quand même être pas mal pour les personnes qui n'ont rien pour laisser infuser. Donc dans le petit feuillet, ils disent qu'au niveau de la conservation du thé, donc il est conservé à l'abri de la lumière, de l'humidité et des odeurs, donc éviter tout ce qui est placard à épices. Là, ce qu'on a, les sachets qu'on a, ça va les conserver, donc c'est l'idéal. Les sachets sont sans aluminium et sont refermables. Bah, tant mieux, c'est pas d'aluminium parce que c'est quand même quelque chose qui est cancérigène. Donc tant mieux s'il n'y en a pas. Quoi de plus? Ouais, donc du coup, ce sont des sachets qui sont refermables, donc c'est vraiment l'idéal. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que, ouais, non, je vous le dirai à la fin, ça. Donc le premier thé que j'ai pris, c'est du thé vert zen mandarine, donc c'est à la mandarine et à la verveine. Et c'est un thé qui est originaire de Chine. Donc ce qui est bien quand même avec ce coffret, c'est que pour chaque thé, on a une petite note, tout ça, qui nous explique en fait d'où ça vient et en gros ce qui peut s'accompagner avec. C'est pas mal. Donc là, je vois, donc pour ce thé-là, je peux manger un petit éclair au chocolat avec. Voilà. Et on a un petit questionnaire sur le côté là. Franchement, c'est extra. C'est alors pour la dégustation, enfin votre dégustation, les arômes donc, est-ce que vous avez trouvé ça boisé, épicé, floral, fruité, gourmand, minéral, végétal? 2, l'équilibre, donc la couleur, vous mettez une note sur 5, le parfum pareil, la saveur et la persistance. Et en fait, vous donnez après une note globale sur 5. Donc on peut voir aussi qu'on peut laisser un petit avis, donc on écrit ce qu'on pense de ce thé, donc pas, enfin, en gros c'est savoir si on va en racheter quoi, je pense. C'est un thé qui est infusé entre 70 et 80 degrés Celsius, entre 2 et 3 minutes, et c'est un thé qui est plus à prendre dans la journée, et il faut mettre 2 cuillères à café par tasse. Voilà, donc c'est vraiment très très bien ça. Au moins on sait si on peut prendre ça le matin, le soir, de quoi c'est composé. Et en plus, nous mettre une petite note, savoir si nous personnellement, on va en racheter. Donc le sachet en fait, il est comme ça. C'est un peu les mêmes sachets que la Gretel Box en fait. Mais je vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'ai déjà du thé vert à prendre. Ensuite, du coup, le deuxième thé, j'ai pris un thé noir. Alors la prononciation c'est pareil, Ceylan Blackwood, c'est un thé puissant du Sri Lanka. Donc c'est exactement pareil, hein. On a le petit papier avec notre dégustation, ce qu'on en a pensé. Donc ce qui peut aller avec ce thé, ça serait l'association salée avec des œufs brouillés. Ça peut être vraiment sympa. Par contre, oui, c'est du coup un repas, on va dire, qu'on prend le matin, donc avec le thé. C'est plus un repas, on va dire, tout ce qui est américain, tout ça, parce que avec des œufs brouillés, voilà. Donc, thé puissant, donc qu'on sache quand même un petit peu ce que c'est, parce que le Ceylan Blackwood bio, ouais, c'est bio. Alors... je crois qu'on n'en saura pas plus. C'est un thé noir corsé et boisé. Voilà. Ah, je peux pas vous en dire plus sur celui-là. Donc à laisser infuser à 100 degrés entre 3 et 5 minutes, à prendre le matin. Et il faut mettre une cuillère et demie à café par tasse. Ensuite, c'est un... du thé que je connais pas du tout. Les thés, comme je vous disais tout à l'heure, rooibos, ouais, des enfants. Donc là, c'est à base de coco, de banane et de framboise. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça. Il y en a pareil plusieurs sur le site. Moi, j'ai voulu prendre celui-là. Hein. Mais ouais. Noix de coco, banane. Qu'est-ce qu'ils mettent là?
Badian, arôme naturel de framboise. Ouais, hein. Et apparemment, c'est à prendre avec une chocolatine ou un pain au chocolat. C'est la même chose, mais c'est pas du même patois, on va dire. Donc ça peut être quand même très très sympa à prendre. Donc à 100 degrés, entre 4 à 5 minutes, et à prendre dans la journée. Donc si c'est pour les enfants, c'est peut-être à prendre aux 4 heures. Et donc c'est une cuillère à café par tasse. Donc le dernier thé, bah, j'ai repris du thé vert Detox Boost. Maté et citronnelle. Donc c'est douce. Ah, je vous ai pas dit, oui, le Rooibos vient d'Afrique du Sud. Donc thé vert. Celui-là, il vient de Chine et Amérique du Sud. Ok. Et donc citronnelle, ortie, thé blanc, peymoutan, écorce de citron, gingembre, thé vert matcha, arôme naturel. Ok. Ça promet, ouais. Un effet brûle-graisse. Un effet brûle-graisse. J'ai déjà pas beaucoup de graisse. C'est pas grave. Combat la fatigue, ça par contre, ça peut être très bien. Et la citronnelle, vertu digestive et anti-stress. Ça, ça peut être très bien aussi. Donc, ouais. Là. Et à prendre avec une mousse légère aux agrumes. Ah. Alors moi qui ai du mal à faire monter les mousses, pendant que je m'entraîne. Parce que c'est vrai, quand je fais mes mousses au chocolat, ça a plus une tronche de... Alors c'est un peu bizarre. Texture miel, vous savez, quand on prend le miel comme ça, ça dégouline. C'est un peu bizarre. Donc on revient quand même au thé. Entre 70 et 80 degrés, 2 à 3 minutes à prendre la journée. Et une cuillère et demie une cuillère et demie à café, pardon, au niveau de la tasse. Donc voilà pour cette box. Alors que quand même que je vous dis, ce sont tous des thés qui sont certifiés bio. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ce que je voulais vous dire du coup tout à l'heure, j'ai en fait un petit code si vous voulez. Donc pour votre première commande, vous avez 10% de remise, pardon, avec le code COLORS10. De toute façon, je le mettrai en barre d'infos, mais je le montre quand même, voilà. En majuscule, COLORS10. Voilà. Et donc, bah, c'est pareil, hein. Ça c'est plus pour moi, pour parrainer un ami, tout ça, tout ça. Le quatrième coffret découverte ou amateur. Enfin ça, ouais, c'est plus quand vous commencez à vous abonner, si vous voulez, parrainer des personnes. Et du coup, ouais, comme je le disais, la petite chaussette à thé, c'est franchement excellent. Donc pour une box qui est à 9,90€ du thé comme ça, donc ça nous fait 40 grammes au total pour chaque mois. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Et aussi, bah, du coup, quand j'ai ouvert ma petite boîte, j'ai eu un petit papier, donc tout nouveau pour 2018. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et en plus, c'est écrit à la main. Donc j'imagine tous les mois, les filles qui font ça, les filles ou les gars. Hein. Parce que même sur mon adresse, c'est écrit à la main. Enfin, ils doivent vraiment s'embêter, quoi. C'est dingue. Ouais. Donc moi j'adore, bah là du coup on est aujourd'hui je sais même pas on est combien, je crois qu'on est le 31, 30 ou le 31, je sais plus, le 31, donc je pourrais à partir de demain en fait bah, prendre les autres thés que je désire, voilà, c'est super, moi ouais, je recommande, hein, tester au moins une fois, mais ça vaut le coup, hein, pour ce qu'il y a. Il y a vraiment une palanquée de thé à goûter et de toutes sortes en plus, hein. C'est ça qui est vraiment super. Donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et du coup on se retrouve prochainement.
pour je ne sais pas quelle ouverture de box. Enfin voilà, peut-être que je ferai un haul dans les prochains jours. On verra si j'ai le temps. C'est toujours vraiment, oui, si j'ai le temps, si je suis pas partie à gauche ou à droite. Enfin bref, on verra, ça sera la surprise. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.